Et 73-51, frangin, du matin. Enfin, je dis du matin pour toi, de ton côté, Hachi. Alors, bien dormi? Il est là! Eh, hey, t'es tombé du lit, là! Attends, et 13h25 presque ici sur la 14, donc 7h25 de ton côté. Oui, il est tombé du lit. Et 73-51 retournés, ben t'es ben moi aussi après tout, c'est le matin aussi, puisque je me suis levé à midi. Mais et pour un peu, j'étais parti pour rebosser ce soir. Ah ben non, c'est demain soir. Hachi trois coups, puisque pour la petite anecdote, au travail, j'ai commencé à remplir le cahier pour ce soir. Ah ben il va être content le collègue. Le travail sera fait pour lui là du coup. Ah, c'est juste l'entête, tu sais, prise en compte du matériel, blablabla, bla, bla, et puis voilà, bon ben, ça c'est fait. Bon, ça va de ton côté, je vais dire, tu tiens la forme? Ah. Ouais, je suis moustaché, surmodulé et tout par le Brésil là qui est en train de passer. Là, comme je l'ai entendu dire, tri à Fatango. Allez, encore, on va encore se faire. Allez, je reste poli, embêté par eux. Alpha Tango, 140 Brazil. Alpha Tango 140, 3 Alpha Tango 140 Brazil. Ah ouais, non mais là, il nous entend, il doit certainement nous entendre tout pareil, hein. Mais ce monsieur a décrété que ça serait son canal à lui, sa fréquence à lui, et puis voilà quoi, comme à chaque fois, chaque année avec cette équipe. Aïe, 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 j'ai du mal à te sortir. Bon, il est content, il fait bubuse. Bon, Gilles, ton petit déjeuner, est-ce qu'il est bien passé ou tu l'as pas encore pris? Bah, la propague a baissé, là, on dirait. La tournée. Elle a tourné du mauvais côté, la propague. Hachi. Et derrière. Ah, la vache, il m'arrive à Santiago 9, là. Les Alpha Tango du Brésil, là. Aïe, aïe, aïe. Au secours. Ok, reçu. J'ai eu Roger, il n'y a pas de problème. C'est passé à Santiago 3 contre 9 pour le Brésil. Ça marche. Bon café, à tout à l'heure. Ok, il n'y a aucun problème. Je vais
want, het is helemaal bomvol hier. 3 Alpha Tango 140. Oh la vache. Bon, à tout à l'heure, frangin, à tout à l'heure. Tango 140. 3 Alpha Tango 140. Là, il y a du pollueur. Hein. Vas-y, ça tourne. Vas-y, fais-nous une petite démonstration de chant. Ouais, non, mais là, tu as chantonné quelque chose, là. Là, voilà. J'ai remis la vidéo en route. Hachi, vas-y, fais-nous une petite démonstration. Peut-être que ça va nous faire fuir toutes les Brésiliennes, là, qui viennent nous chatouiller les pieds, là, à grands coups de puissance et de propague aussi avec Hachi. Voilà, vas-y. Remarque, en espérant que ça nous fasse pas fuir la propague avec. Là, tu étais en train de chanter là juste avant ça. Ah, c'était une première, ça. J'ai envie d'immortaliser ça en vidéo. Vas-y, refais-moi le petit speech que t'as fait là en chantant. Ah, c'est bon ça. Tout est dedans. Et puis ça, j'effacerai pas. Ah non. Ah là là. Là, c'est direct du producteur au consommateur, là, pour le coup. Il manque plus que la guitare là-dessus, parce que c'est vrai que tu sais jouer de la guitare aussi. Bon, c'est bon, tu as réussi à les faire fuir, visiblement, c'est bon. Alors, tu sais jouer de la guitare, tu sais jouer de l'harmonica, le pipeau, on va peut-être éviter, hein. Tu sais jouer de quoi comme autre instrument? Ouais, non, mais je veux dire, tu sais jouer de la guitare, tu sais jouer de l'harmonica, mais quel autre instrument tu sais jouer aussi? Ah, c'est toi qui les as attirés, les Brésiliennes? Hachi! Ah, pour la voix sexy, c'est sûr que le meilleur, c'est le matin au réveil. Alors là, moi, le par contre, le matin au réveil, alors là, c'est même pas la peine de me parler, parce que de toute façon, je comprends rien. L'idéal, tu vois, c'est le matin au réveil, tu peux me dire un secret, hein. Ah, y a pas de problème, il sera bien gardé, le secret, puisque de toute façon, je l'aurais même pas entendu. Ah, j'ai compris, ouais. Tu as ton café plus ce bol de céréales juste à côté. Ah, il n'a pas entendu.
Ah, j'entends parler en QRP derrière, mais c'est pas du francophone. Là, ça, tu commences à passer un peu plus costaud, là, de mon côté, là. Ben oui, mais faut que la machine se réchauffe, hein. Faut que la machine se réchauffe un petit peu, là. Elle a passé la nuit avec un œil fermé, là. Là, c'est le temps de se réveiller un peu. Ah ouais, là la seconde c'est plutôt 54 moi de mon côté. Ça fait un peu de yo-yo, 54, 56 je crois que j'ai vu tout à l'heure, je sais plus où, 55. Ça reste autour de ça quoi. Ouais, tu vois le dernier passage, une pointe à 57. Ah, 57 là. Ouais, ça sent bon. Ouais. Youhou. Voilà, Sibi, c'est pas fait pour se prendre au sérieux. Ou plutôt, la vie est trop courte pour trop se prendre au sérieux. Faut faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux, tout en étant cool. Oui, c'est plus ça. Autrement dit, esprit 40 canaux. Oui. Oui, messieurs. Attention à ton café, tu viens d'en faire tomber un petit peu à côté. Et là, il va chercher partout. Ah ben, en tout cas, de mon côté, toi, je sais plus, hein. Là, le fait que tu t'es mis à chanter, ça les a fait partir de mon côté, et puis visiblement, aller du tien, quoi. Ben oui, ils ont aimé ma chanson, tu vois. Il y a des chances, oui. J'ai pas traduit là. Il y a des fois tu parles français vache espagnol et là j'ai un peu de mal à suivre, ou plutôt vache québécoise. Et c'est vrai que des fois j'ai un petit peu, je suis pourtant des efforts hein, quand t'es comprenette, mais il y a des fois c'est pas toujours évident. Quoi. Alors là, je suis désolé, mais j'en connais aucune. Alors déjà, j'en connais aucune, c'est très vrai, parce que jamais je chante, même chantonner tout seul, jamais. Jamais de la vie, je chantonne tout seul, non. Et puis en plus, si je me mets à essayer de chanter, c'est comme si je me mettais à essayer de parler anglais.
Alors, ceux qui m'ont déjà entendu parler anglais, je peux te dire qu'ils doivent être en train de se rouler sous la table. Alors, chanter, c'est exactement pareil. Au secours! Attends, je vais baisser un petit peu le volume parce que pour le coup, ça m'a créé un petit peu de distorsion dans le son. Non, sérieusement, alors j'ai eu un ami là au téléphone, bah, celui qui m'a tout mis en place là, le WebSDR, Ben, son prénom. Et il a tout fait à distance hein, depuis chez lui. Hein. Je lui ai fait les accès et tout dans le WebSDR et tout ce qui s'ensuit. Et une fois, je l'ai eu au téléphone. Bon, il comprend l'anglais, hein, ceci, cela, ainsi de suite. Ah, il m'a demandé de lui lire une phrase en anglais. Il a rien compris. Il a rien compris de ce que je lui ai lu. Tellement que c'était catastrophique. Ouais, mais bon, en plus de ça, toi, t'es intelligent, contrairement à moi. Donc, du coup, t'arrives à parler plusieurs langues. Parce que, bon, l'anglais, encore l'anglais, je comprends, parce que avec les USA et tout ça, c'est... Il y a un mélange linguistique, ça y est, j'ai réussi à le dire en entier, le mot, qui fait que forcément, vous êtes pas mal, ou presque tous, à comprendre l'anglais, ouais, à le parler peut-être un petit peu, ouais, à le parler avec... Mais je te vois aussi parler espagnol, je sais plus, je crois que je t'ai déjà vu parler italien, je me souviens plus. Et puis combien d'autres langues, peut-être deux ou trois autres langues aussi, je sais plus trop. Mais bon, quand je te vois faire au micro, waouh! Là je suis derrière, j'écoute, le micro je le touche pas. Hein. Je te laisse parler. Hein. Si là quand même, tu fais fort quand même. Hein. C'est oui. Déjà que moi le français, bon, je m'en sors pas trop mal. À l'écrit, au secours les fautes d'orthographe. Alors là c'est une catastrophe. Mais après les langues étrangères, ça a jamais été mon truc. Hein. On va dire que à l'école j'étais plutôt de ceux qu'on mettait au fond de la classe pour ne pas déranger. J'en suis pas fier du tout, mais bon, quand t'es gamin, quand t'as pas le cerveau adéquat pour travailler comme il faut à l'école, allez, on va dire ça comme ça, crûment, eh ben, ça aide pas. Mais bon, après, ça n'empêche pas de s'en sortir dans la vie pour celui-là qui veut vraiment s'en sortir. C'est tout ce que je vois, moi. Après, le reste, les langues étrangères, eh ben, c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout, hein. Il y a maintenant avec les téléphones et tout, il y a des traducteurs et tout, les smartphones, je veux dire, il y a les traducteurs et tout dessus qui font bien le travail. Et puis je me débrouille comme ça, quoi.
C'est quoi là? J'ai pas compris ce que tu m'as dit là à la fin. Bon, j'ai compris tout le reste. Alors, l'électronique, moi c'est pareil, j'y connais rien du tout en électronique. Je suis zéro en électronique. L'informatique, eh bien, c'est Dixie Grinkel qui m'a mis les mains dedans. moi, au début, je voulais pas d'ordinateur à la maison. Et puis, il y a en 99, elle a voulu qu'on ait un ordinateur à la maison, ceci, cela, découverte, quoi, on va dire. C'était la découverte de l'informatique. Donc, elle a voulu ça à la maison. Moi, je restais à distance, loin de ça. Puis à chaque fois, elle m'appelait. Tiens, viens voir, regarde, j'ai un problème ceci, j'ai un problème cela. Mais j'y connais rien, quoi. Et puis à chaque fois, ben vas-y, essaie. De toute façon, tu vas pas le casser. C'est que de l'informatique, et ceci et cela. Et puis tu sais, quand tu mets le doigt dans l'engrenage et que l'engrenage est en train de tourner, eh ben ça te happe le doigt, ça te happe la main, ça te happe le bras. Et puis après, ben tu te retrouves tout entier happé là-dedans. Hachi. Ouais, j'ai pas compris la fin de ta phrase. Non. 100% non. Non, 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 quand même pas 100%. C'est par la force des choses, j'étais obligé de me débrouiller. D'abord, via l'XYL qui m'a forcé la main à ce niveau-là. Et puis après par la suite, en je sais plus 2013-2014, quand j'ai voulu du côté, ouais 2013, ça doit être ça, quand j'ai voulu promouvoir, redynamiser la CB, je me suis dit le faire en local, ceci, cela, aller dans les stations essence, patin, couffin, ainsi de suite, ça va bien à un moment. J'ai bouffé énormément de carburant justement là comme ça, et je me suis davantage penché sur l'ordinateur pour faire les choses sur Internet. Et là, ben quand t'as pas le choix, eh ben tu fais. C'est comme les langues étrangères. Si tu veux bien les apprendre, ben faut aller carrément dans le pays, quoi. Et là t'as pas le choix, t'es coincé, t'es obligé d'apprendre. Mais pour l'informatique et le fait de promouvoir, redynamiser la CB, eh ben c'est pareil. Je me suis dit, ben j'ai pas le choix. Et puis voilà quoi. Il a bien fallu que j'avance avec ça, que je me débrouille, que j'apprenne quoi. C'est que je découvre. C'est voilà quoi. Mais bon, je me suis fait quand même un peu aider. Comme bon pour le forum non, mais bon c'était le forum, on va dire que c'est déjà un truc préconstruit. Après j'ai fait les rubriques si cela que j'ai rempli et ainsi de suite, mais j'ai fait aucune programmation quoi que ce soit, je sais pas faire. Pour le web SDR là par contre, oui au niveau matériel c'est facile, tu branches, voilà, c'est tu branches. Et il a bien fallu, je me suis retrouvé coincé à plus pouvoir avancer parce que je savais pas comment faire. Donc déjà là, il a bien fallu que je trouve comment créer un accès justement à Ben pour qu'il puisse lui intervenir dedans avec ses très grosses compétences en informatique. J'en dirai pas plus. Et puis voilà quoi. Mais là là en date d'aujourd'hui. Le web SDR, il tombe en panne. Bon, je vais arriver à me débrouiller parce que j'ai une sauvegarde à côté. C'est mis sur carte mémoire. Oui, voilà. Le web SDR, il fonctionne sur une carte mémoire, comme celle que tu mets dans un appareil photo ou dans ton téléphone pour avoir plus de mémoire. C'est exactement pareil. C'est le truc, il est sur carte mémoire. Et donc là, j'en ai trois comme ça, quoi. Donc si j'en ai une qui lâche, eh ben je mets la suivante et puis voilà. Mais bon, après de là à me dépanner vraiment en informatique,
Non, je suis pas. J'ai aucune compétence là-dedans. Ou alors très légère. Si ça devient trop compliqué pour moi l'informatique, je vois. Bon, je parle pas de Windows parce que c'est pas trop mon truc. Mais je vois sous Linux que si ça devient beaucoup trop compliqué, que je suis coincé. Comment te dire simplement. Si j'efface le disque. Je remets tout ça dedans et puis basta. Mais bon, ça c'est pas de c'est ça reste très basique. Là, je l'ai perdu. Ouais. Mais j'oublie en plus le portugais. Tu parles aussi le portugais, puisque le Brésil, la langue parlée au Brésil, c'est quand même le portugais. Et puis là aussi, tu arrives à te débrouiller. Ouais, mais bon, je t'ai toujours vu arriver à te débrouiller, hein, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Au fait, petit break, est-ce que des fois il n'y aurait pas des stations là qui attendraient là derrière la porte? Parce que c'est vrai qu'on laisse pas de grand blanc entre deux reprises de micro, parce que on est pris dans notre QSO, dans notre discussion, et c'est vrai qu'on enchaîne très rapidement. Je vais laisser un petit blanc là, Gilles, tiens, regarde de ton côté pour voir si des fois il n'y aurait pas du monde derrière la porte. J'entends parler, mais je suis pas sûr. J'ai cru entendre gazouiller derrière, mais c'est, on va dire radio 1, voire un demi-point, parce que c'était vraiment trop QRP. Je suis même pas capable de dire si c'était du français ou pas derrière. J'ai aucune idée.
si t'as réussi à le sortir, ben vas-y, parce que moi de mon côté, rien. Ouais, j'ai ma petite idée. Peut-être même que tu donnes ton ta langue à la brésilienne. Parce que je pense que ça devait certainement arriver de ce côté, vu comment est la propague en ce moment. Par contre, t'as vu, ça a marché, hein, le fait que tu te sois mis à chanter. Depuis, j'en entends plus un seul, plus rien. Ouais, effectivement. Effectivement. Chi, oui. Ouais, c'est très vrai. C'est vrai. Au fait, une petite anecdote, puisqu'on est tous les deux. Depuis, Hachi, de mon côté, j'ai plus de porteuse. C'est bizarre. Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Oui, j'avais de temps en temps quelques porteuses de mon côté dès que j'étais en fréquence. Et plus rien depuis, c'est nettoyé. Comme quoi, des fois, il y a des problèmes qui se règlent par eux-mêmes. Et j'y suis pour rien. Bon, ben tant mieux, quoi. Et c'est vrai que du coup, ben quand ça passait pas du côté Québec, j'avais pas mal déserté les sup. Ben déjà ce qui fait ça, c'est que pour moi, tu vois, pour moi un cuisson local, ben ça va être forcément surtout du côté des 40 canaux. C'est simple logique et simple habitude du passé, quoi. C'est vrai qu'autrefois, tous les QSO, 100% des QSO locaux se faisaient sur les 40 canaux. Et j'ai gardé cette habitude là de ce moment-là, quoi. Et en même temps, ça permet comme ça à des nouveaux, parce que les nouveaux, quand ils arrivent en fréquence, ils vont pas directement sur les sup, ils vont du côté des 40 canaux, ils vont sur le 19, ceci, cela, lancer des appels. Alors, quand il y a personne qui répond parce que tout le monde est en sup, c'est chiant. Alors, c'est pour ça que quand la propague n'est pas là, et surtout du côté Québec, ben, je me mets surtout sur le 19, et puis je suis autre chose en même temps, hein, mais bon, je suis à côté du poste, prêt à sauter dessus, quoi. Mais bon, va falloir que je... Puis là, bon, là, on est reparti pour une bonne saison franco-québécoise. C'est ça va le faire. Oui, monsieur. Ouais, ben tiens, toi, là, ça fait pareil. C'est descendu, là, Santiago 2, puis là, paf, ça remonte. Ouais, ça fait le yo-yo. J'ai pas regardé comment était l'activité solaire, là, aujourd'hui, là. J'ai pas trop regardé ce qu'il y avait, là.
Parce que j'essaie de jauger, de juger un petit peu là par rapport à ce que je vois sur Internet au niveau activité solaire pour me dire oh ça devrait pas être mal. Bon, c'est pas toujours très très juste parce qu'il y a des décalages, il y a des sacrés décalages entre l'activité solaire et puis quand ça nous arrive dessus. Mais bon, j'essaie de, c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est pas exact du tout. C'est un petit peu complexe hein, tout ça. Bon, je vais pas te saouler avec ça. Pour les éruptions solaires, tout dépend de quel côté elles sont. Si elles sont bien dirigées vers nous, là ok. Oui monsieur, peut-être que sur le 27666, H3Coup pour le 666, il y a peut-être des ondes bizarres qui se promènent de ce côté-là, je sais pas. Attends, j'ai cru, le temps que ça me monte au cerveau, j'ai cru entendre quelque chose entre deux reprises de micro. Non, je crois que c'est un petit peu de moustache. Ou des stations qui sont en AM peut-être. Ou en FM aussi, je sais pas. C'est vraiment très 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 QRP. Ouais. Mais Santiago 1. Ah oui, c'est sûr. En ce moment, j'entends tous les jours la Guyane. Oui, avec zut, comment c'est déjà je sais plus comment, quel, ah j'ai oublié le numéro, AGF. Je sais plus comment c'est. Attends, c'est pas, je regarde sur ma feuille. Alors la Guyane. Non, j'allais dire 103. Parce que je vois que c'est des Antilles. Ouais, peut-être, je sais plus. Quelque chose, AGF, je sais plus comment. Lui, tu as déjà fait QSO avec lui. Tu dirais un animateur radio, l'OM. Tellement qui se débrouille bien derrière le micro, qui fait son speech, il fait son show derrière le micro, et ça rend super bien. Et lui, je l'entends tous les jours. Alors sur le 27500, ouais, généralement c'est là qu'il est, ouais, 27500 autour de ça, quoi. C'est ouais. La Réunion, oui, que j'entends aussi pas mal. Après, qu'est-ce que j'entends d'autre? Je sais plus. Mais là aujourd'hui c'est spécial, oui. Alors par contre, il y a un truc aussi, c'est d'habitude, Gilles, quand on se copie, il est plutôt vers les 15h, 15h, 15h20. C'est plutôt dans ces eaux-là. Et là, du coup, les OM sont pas habitués. On est quand même une heure plus tôt et ça fait un petit moment là qu'on est en fréquence. Donc tous ceux qui attendent le moment, qui sont ailleurs sur d'autres fréquences ou à faire autre chose, ben pour le coup ils sont pas derrière le micro. Et il y a ça aussi. Ouais, c'est Gilles sur la Guyane française, 22 AGF, je crois, si ma mémoire est.
Ok pour le 22. Oui, affirmatif. Ouais, ouais, c'est ça, c'est bien 22, ouais. 22 AGF, après je sais plus. Ça fait un moment que je lui ai pas parlé. Mais bon, à chaque fois, il est assailli en fréquence. Il est constamment assailli. Alors je me dis que si moi je m'y mets, que je lance un break et tout pour essayer de l'avoir en fréquence, ben ça va foutre du bordel en plus. C'est pour ça qu'à chaque fois je reste derrière la porte. Ils sont assez nombreux sur le QSO. C'est infernal quand il est en fréquence. Aïe aïe. Ah, quand il y a des super OM comme ça. Eh, ça a baissé. Ouais, ça fait le yo-yo. Ah ah. Attends, il y a une station francophone qui vient d'arriver en QRP, là. Les 73, la station de la part de 14, bravo Charlie 3301, Hachi, en compagnie de 9, bravo Charlie 555. Vas-y Gilles, tente le coup, il n'a pas l'air de m'entendre visiblement. Ah ben j'ai perdu tout le monde pour le coup. La propague est tombée de sa chaise. Oh putain, cette voix féminine. Ouais, ouais, je l'ai entendu, trop QRP de mon côté, j'ai essayé de lui répondre, mais bon, ça n'a pas passé. Vas-y, Gilles. Pas sûr qu'il m'a entendu. Si, ça parle derrière. Ah bah là j'ai plus rien. Ah, j'ai écouté du côté des web SDR, côté Québec. Ben il n'y a pas mieux. Ouais, non, je suis en train de regarder à nouveau. Ah, je sais pas, visiblement t'as plus personne non plus. Ouais, j'étais en train de me dire, j'ai écouté un peu là du côté des web SDR québécois, canadiens. Eh bien, il n'y a pas mieux. Hein. Ça passe pas non plus. C'est vide. Oh, il est parti, il est tombé de sa chaise. Ça y est, le Québec est tombé de sa chaise, il est tombé à la cave. Bon, le Roger Beat Multibip, les 73, 51, 14, bravo Charlie, 33, 01, Rémi.
la propague a tourné, elle est partie ailleurs. T'es toujours là, Frangin? Oh, je sais pas si tu m'entends encore, mais je crois que ça a tourné sur l'Espagne. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Je reste derrière la porte, au cas où. Hey, ça y est, ça repasse à nouveau alors. Je viens de t'entendre là, Gilles. Putain, 56! Tout à l'heure, t'étais tombé de la chaise et plus que ça, tombé à la cave. J'ai même appelé Houston pour savoir où t'étais passé. C'est sûr, mais t'as envoyé un petit message. Wow, oh, je vais écouter ça. Alors j'essaie d'écouter ça discrètement, quoi. Ok, bon, ben j'écoute toi, du coup, t'es de retour, ok, t'étais aussi sans. Donc alors pour 9, bravo Charlie, 156 André, j'ai pas tout compris là ton message, tu sais que des André, il y en a un paquet dans le monde, je sais pas de quel André tu parles. Et oui, donc comment veux-tu qu'il attrape le logo? Je sais même pas qui c'est. Et je vois pas du tout comment ce que tu me demandes de lui transmettre. Bon, d'accord, je veux bien moi lui transmettre. Mais le transmettre à qui et où et quelle adresse internet? C'est ça, là, il va trouver un compte. Il peut-tu ouvrir un compte Messenger sans avoir Facebook? Oui, parce que là. Non, mais de toute façon, hey, moi c'est pareil. Hein. Quand j'écris ces petits cochons, des fois il y en a qui me disent que. Attends, comment. Écriture de fourmi ou je sais plus comment on me dit. Mais bon, en tout cas là, à André 9, bravo Charlie 156, je vois pas du tout comment lui transmettre le logo. L'écusson, enfin bon, bref, le truc, c'est j'ai aucune idée de comment lui transmettre. Ah, peut-être à Jean-Luc,
Peut-être l'envoyer à Jean-Luc qui lui donnera après ensuite. Ah oui, monsieur. Ouais, mais c'est ça, Franzin, hein. Il y a un ordinateur, mais il n'y a pas de Messenger, il n'y a pas de Facebook. Et puis son fils va lui arranger, lui monter un cadre et tout, là, puis ensuite il va aller Attends, ça part derrière. Ok. Oui, monsieur. Ah, j'ai compris. C'est encore de la brésilienne qui arrive derrière. De la brésilienne Alpha Tango. Ouais, bon, d'accord, ok. J'envoie ça à Jean-Luc. Au fait, j'en suis. Du coup, j'ai pas chargé. Ah bah si, ça redonnait un petit coup de pouce quand même à la caméra au niveau charge batterie. Ouais. Bon alors, les stations, les tannons et les autres qui sont sur le 625 là derrière la porte. Allez-y, poussez la porte, rentrez dans le QSO. Bon, ben, on m'entend pas. J'ai pas assez de gueule, apparemment, pour qu'on m'entende. Il faut le maître des ondes du Québec, là, pour arriver à passer. En plus de ça, d'après ce que j'ai compris, l'informatique et lui, ça fait un petit peu d'eux. Sur Cluster DX, va falloir que tu lui fasses un cours, parce que toi, t'es devenu très doué, hein, dessus. Hein. Tu sais comment ça fonctionne, hein. Ah, ça, y a pas de problème. C'est, Jean-Luc, lui, c'est moyen au niveau de Cluster DX. Il y va quasiment jamais dessus. Donc là, de ton côté, oui, il y a que toi qui peux lui expliquer, j'ai l'impression. Ouais, mais Jean-Luc, il s'en vient bien, hein. Jean-Luc a pris en vite aussi. Il y a son classeur, il y a son compte de créer et tout. Et puis, c'est ça, il va. Moi, là, je m'améliore à chaque fois que je me suis dit, je me pose tout le temps des questions, des fois, je peux me gratter un peu derrière de la tête pour un moment, puis ensuite, là, je me retourne, mais ça fait quand même un bon petit bout là, qu'on m'a pas bloqué là, pour des photos. Ouais, ok, ouais. Ah ben, vu comment je te vois l'utiliser, tu sais même mieux l'utiliser que moi, hein. Parce que c'est vrai que j'ai pas ce réflexe, moi, d'aller dessus, là, comme... disons que, toi, t'arriverais presque, ou t'arrives à essayer de faire plusieurs choses en même temps. Moi, c'est même pas la peine. C'est pas que je fais pas d'efforts, c'est que, ben, ça me pas. Je suis pas multitâche. C'est... Et du coup, quand je te vois faire, pendant que tu es en QSO et tout, avaler les stations d'un côté et de l'autre, enregistrer sur Cluster DX, mais moi je me dis, mais comment il fait, quoi? C'est pas possible. Non, j'y arrive toujours pas, quoi. C'est soit l'un, c'est soit l'autre. Et quand c'est l'autre, eh bien, ça va être plusieurs heures après, voire le lendemain, où je vais aller dessus pour envoyer la liste des contacts. Mais bon, c'est déjà trop tard, quoi. C'est mieux quand c'est fait de suite, quoi. C'est parce que t'as vu dessus, on peut pas marquer l'heure du contact ou je sais pas faire.
pilote du QSO à suivre. Ah ben là, ça fait comme la Guyane française, juste la Guyane française, il travaille avec sa conjointe, là, avec son équipe actuelle, là, et puis ça fonctionne à merveille, hein. Là, c'est plus le même QSO, là, pour le coup. Non, mais c'est vrai, Frangin, hein. J'ai parlé avec lui une fois, hein. Et puis, sa femme était derrière. Elle prenait tous les contacts que lui, il nommait. Il en prenait 5. Il les mettait en train de mettre. Elle allait les écrire en note quand lui, il disait à haute voix. Et puis là, ensuite, là, il laissait tout le monde de côté. Là, il allait prendre la première station qui a mis à Stanmail. Même si les gens, ils ont des appels, ils ont des appels, ils ont des appels, ils l'ont rendu. Il part avec la station 1, ensuite, c'est fini. La station 2, ensuite, c'est fini jusqu'à 5. Quand il est terminé, il a repris 5, il met à Stanmail, puis c'est comme ça toute la journée. Mais il travaille à 2 jours. Ah, d'accord. Ok, compris. Bah oui, tu m'étonnes. Quand il y a une secrétaire à côté, là, pour faire ça, évidemment, ça change la donne, hein. D'accord. Ah non, si j'ai une secrétaire à côté de moi, je peux te dire qu'il y en a une, là, qui risquerait de s'énerver un grand coup, là. Pour le coup, risquerait de me casser les oreilles. C'est... Là, ça va pas être possible là, d'avoir une secrétaire à côté. Oui, puis je comprends pourquoi par moment, quand j'ai terminé, et puis je pense chaque fois en haut, ben, des fois que j'ai même pas la chance d'envoyer des vidéos, hein, parce que mon cerveau, il est en sursaut, hein, il est en sursaut. Et puis, ben là, quand il est en sursaut, je me mets en stand-by et puis je prends les pauses. Puis des fois, les pauses durent un peu plus longtemps, puis je deviens un peu, pas embrouillé, mais je veux dire, c'est le côté de c'est quoi je veux faire, c'est quoi j'ai à faire, c'est quoi je fais. Alors, ça devient un peu, c'est comme épuisant, hein, c'est épuisant, mais avant, j'avais pas de problème. Ouais, ouais, je comprends. Mais ça, de mon côté, c'est, on va dire que c'est normal. C'est, j'ai toujours été ainsi, hein. Ça se voit pas, ou si des fois dans les vidéos ça se voit, parce que des fois je me perds. C'est, quand je me perds comme ça, c'est parce que j'essaie de faire deux choses en même temps. Je vais être en train de travailler sur l'ordinateur, sur le forum, ceci, cela, ou en train de faire les programmations journalières, comme tu les vois tomber là sur Facebook. J'ai l'XY qui va se mettre à me parler, je vais lui répondre, et là, zut, j'en suis où? Je fais quoi? Est-ce que je me suis trompé? Alors des fois je retrouve des partages que j'ai fait, que j'ai programmé, mis à une autre date. Qu'est-ce que ça fait là? C'est le caca complet, quoi. Dès que j'essaie de faire deux choses en même temps, dès qu'il y a deux choses qui se font en même temps, c'est plutôt ça. C'est le caca complet. Je me vautre complètement, quoi. Aïe, 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 aïe. Il n'y a qu'une seule chose où j'arrive à faire plusieurs choses en même temps. C'est pour rester poli, je dirais dans la chambre. Ah ben oui, mais là, tout, hein, tu peux faire deux, trois, beaucoup de choses en même temps, là, à ce moment-là. Ah, ok, oui. Oui, monsieur. Dans la vitamine, et puis là, tu fais la fréquence chaude. Oh. Ah, là, oui. Et là, la propague, elle est bonne. Ah. Hop là, t'es tombé de ta chaise. Bon, j'en profite. Oui, il y a Robert qui vient se signaler. 73, 51, Robert, c'est 9, bravo, ciao.
5 en compagnie de 14. Bravo Charlie, 3-3-0-1. Rémi sur le 5-0. Ici le Québec, comme sur le micro, Robert. Eh bien voilà, j'étais en train d'écouter. J'ai posté un message à Jean-Luc. Et il a fallu que je fasse une connerie dedans, j'ai vite supprimé. Degrés temps humide, enfin très nuageux. Les 73, 14, bravo Charlie, 33-01. Ah ben il est tombé de sa chaise, je l'entends plus. Ok, merci pour le retour du micro. Les 73-51 André, 14 bravo Charlie, 33-01 Rémi, sur le sud-ouest France, département de la Gironde. Mais c'est très QRP là de mon côté. Pendant que j'ai le micro, Gilles, j'ai envoyé un message à Jean-Luc pour lui demander s'il peut contacter l'autre André pour lui passer son écusson. Enfin, le logo. Bref, il m'a compris. Ah, ça y est. Ok, Gilles. Ok, André, ça a monté un petit peu, là. Là, t'es monté à Santiago 4, là, de mon côté. Bon, ça fait le yo-yo. Et Gilles qui arrête pas de tomber de sa chaise. Et du coup, on le perd à chaque fois. Ok,
Ouais, ça fait le yo-yo, mais ça fait le yo-yo en bas. Mais bon, là, c'est monté à 5, là, quand même. Là, puis c'est redescendu, ça fait le yo-yo. Gilles, si tu m'entends ce coup-ci, j'ai envoyé le message à Gilles pour qu'il fasse... j'ai envoyé le message à Jean-Luc, je veux dire, Gilles. J'ai envoyé le message à Jean-Luc pour qu'il puisse donner le logo à l'autre André, Hachi. Ah, c'est lui, André? C'est maintenant que je comprends. Ça, c'est de l'explication claire. Ouais, je suis toujours là. Mais je savais pas, Gilles, je pensais pas que c'était lui, André, le André en question. Hachi, trois coups. Gilles, je t'ai mis mon adresse email, enfin l'une de mes adresses email sur Messenger. Ok. Thank you.
Je vais essayer de mettre un peu de propag. Pas sûr que ça marche. Ça fait longtemps que je n'ai pas profité autant que ça, moi, de la CB. Ça, c'est la vraie vie. Quand je dis ça, je veux dire que c'est pas du virtuel par Internet, là, devant un écran fade. C'est du vrai, il y a une voix derrière. C'est magique. Ça passe pas par des fils, hein. C'est par des ondes. C'est magique. Bon, je crois que j'ai coupé ça, hein. Mais j'entends que toi, rien d'autre. Et côté WebSDR, c'est même pas la peine, j'entends personne.
L'année dernière, l'année d'avant aussi, je crois, je mettais en parallèle WebSDR du côté Québec-Canada par là-bas. Ce qui fait que j'avais des retours, je savais quand ne pas surmoduler. Mais là, cette année, c'est trop tôt. Son cœur à cette locale, André. Oui, ça pour ça. Monsieur Net. C'est un nouveau dans la famille, là. C'est un nouveau dans la famille, oui. Et puis bientôt. Oui, Monsieur Net. C'est ça, oui.
Poser la question. Il y a les mots qui crampent un peu là. Bravo Charlie, tantôt de roi, le matanin là, 5 millions à côté du pays des ivrognes. Allez, Emilio. Ah, j'ai bien aimé le coup, hein. Les 73 stations qui viennent d'arriver. Ouais, l'OM, deux fois, il te pose la question, il se fait chier à poser la question, et toi qui lui réponds en guise de réponse, c'est quoi la question? Excellent! question pour André. Oui, on est pas. Oui, question. Ton mic gang sur la radio, tu peux le monter un peu? Oui, par là. Oh, bonjour, monsieur Benoît. Comment ça entend d'autres OM du Québec? Ah là, c'est un QSO 100% 625. Ça, c'est de la FM. Thank you.
Entend derrière. Je vais enlever le filtre. Ah, on le sait quand il est là, Jean-Luc. Ouais, aïe, 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 aïe. Il m'a défoncé la station. J'ai les murs du cuirat qui se sont poussés d'un seul coup. Les 73-51, Jean-Luc. 14, bravo, Charlie. 33-01. Oh putain oui, et nous avec Gilles, ça fait un moment là, ça fait que, oh oui, ça fait un bon moment qu'on est en QSO, hein. Ouais, aïe, 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 on est en QSO depuis bien avant l'heure. Je veux dire par là, si d'habitude c'est plutôt maintenant que le QSO sur la fréquence commence, nous ça fait bien une heure et demie, ouais, peut-être une heure et demie qu'on est déjà là nous. Retour sur Gilles. Si c'est pas 2 heures, je sais plus.
Oh oui, je sais plus, ça sera à voir dans la vidéo, mais ça fait un moment qu'on est en fréquence. Oui, oui, oui. Hey, c'est excellent, ça, c'est excellent. Je pense que j'ai copié la télé André aussi. Ouais, André, sur la là. Oui, monsieur, je suis rentré dans la gang, là. 9, bravo Charlie, 156. Salut Jean-Luc, ça va bien? Hey, ça va très bien, André. Hey, bravo Charlie. Et là, bravo Charlie, oui, peu, la famille grossie. C'est bon, André, comment vas-tu? Les meilleures salutations, André, bien sûr, allez, bravo Charlie. À toi. Hey, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, je suis bien content, ça va bien. Ça fait pas longtemps que je suis en fréquence, une demi-heure, là. C'est ça, j'ai fait prendre ma marche à 7 heures, là. Bon, vu que ça fait le yo-yo, pour la petite histoire, le groupe Bravo Charlie est né dans les années 70 sur Gatineau. Ils étaient beaucoup quand même. Puis ils ont eu envie de créer un groupe, mais créer comme ça entre copains. On aime ça faire les talents le matin, fait que c'est excellent. Bien, bien content de t'avoir avec les autres. Ok, merci pour autour du micro. Jean-Luc, as-tu moyen de contacter André pour lui donner son logo? Parle français, Gilles. Sur la
failli s'étrangler comme c'est là. Ah, je l'entends, QRP, les 73-51 retournés, 14 bravo Charlie 33-01, Rémi Dandy 33 sur le département de la Gironde au pays des ivrognes, à côté de Saint-Émilion, à Chidicou. Je serais bien tenté de mettre le président Georges II là au QRA. En plus, derrière la rampe, j'ai un étrier fait maison pour le DK, sur lequel je peux fixer un autre étrier pour le Georges II. Et je suis un peu feignant. D'autant plus que pour le Georges II, il est un petit peu plus court que... Alors, il est plus large que le Lincoln 2, mais plus court que le 7009. Alors, il faut le couper, le réadapter un peu. Bon, c'est facile à faire, hein. Un coup de disqueuse au milieu, tac, on enlève ce qu'il y a en trop, on rapproche les bouts, et avec des rivets dessus, c'est fait. Mais j'ai un peu la flemme. Oui, monsieur. J'entends QRP, hein, les autres stations. Alors, il y a Jean-Luc qui, lui, me casse sa baraque. C'est lui qui passe le plus fort dans le groupe. Après toi, après André, voilà, dans l'ordre de la façon dont je reçois les stations. Et après, toutes les autres stations, c'est en QRP. Donc, les 73-51 aux autres stations qui sont arrivées de la part de 14. Bravo, Charlie, 33-01, Rémi. Voilà, sur le sud-ouest de France, au pays castillonnais.
Alors là, c'est tombé carrément. Je crois que c'est Jean-Luc qui m'a répondu. Oui, ça doit être Jean-Luc. Jean-Luc, t'es tombé à la cave? Je t'entends plus. Ou alors, je t'entends plus qu'avec un signal de 1. Tout à l'heure, ça passait à 9. Là, c'est rendu à 1. Ah ben là, pareil. Ça remonte. Ah, ça remonte. Ah zut. Alors, je saute sur l'occasion pour dire, là, je suis en train de perdre le Québec. Mais c'est que de mon côté. Hein. J'ai vu certains messages dire, du moment qu'ils perdent de leur côté, c'est tout le monde qui perd en même temps. Non, c'est pas vrai. C'est, pour faire une comparaison, la propague, c'est comme les courants marins. Ça prend une direction, ça prend une autre direction. Ça s'installe. Ça part ailleurs. C'est grossièrement, ça se passe un peu pareil, quoi. Oui, ça me revient. Sur Internet, il y a c'est Solar Am. Je fais. Je fais une petite recherche vite fait. Oui, voilà. Solar Am en un seul mot. Et là, on voit toute la. On voit l'activité solaire. Et quand on regarde l'activité solaire. Les éruptions solaires qu'il y a, celles qui nous favorisent la propague, il faut surtout viser celles qui se dirigent vers nous et qui sont susceptibles, avec la rotation et tout, de la Terre autour du Soleil, de nous atteindre. Alors, c'est pas forcément évident. Alors, pour la bande HF, comme là où on est, là, sur le 27 mégas, eh bien, au niveau des couches atmosphériques, je ne sais plus le nom des lettres, eh bien, c'est les mêmes qui sont touchés que pour les aurores boréales. Alors donc, en faisant un petit peu un mix de tout ça, d'ailleurs... Mais bon, c'est pas très précis, c'est...
faut jauger, juger, apprécier, faire son petit diagnostic. C'est un peu comme la météo, quoi. Mais en moins précis. Quoique, quand il y a des gros phénomènes de solaires annoncés, là, ils savent le dire. J'ai l'impression que c'est en train de stagner comme ça au niveau réception. Et tout à l'heure, ça remontera d'un coup. Bon, ça passe encore un peu, mais bon. Ouais. La propague a tourné ailleurs. Donc ça va être l'occasion de redescendre du côté des 40 canaux pour voir. Bingo. Ouais. Du côté Québec, là, c'est trop petit, là, maintenant. À la minute même. De mémoire. Ouais, canal 11. Ah, canal 6. Ah, vous avez vu, en descendant vers le bas de la bande. Mais bon, c'est pas très propre par rapport à d'habitude. Je veux dire, c'est surtout du bruit de bande dû à la propague. Waouh. J'ai de la chance aujourd'hui, j'ai pas de QRM. Ou quasiment pas. Ça, c'est du bonheur. Bon, ben je crois que ça va s'arrêter là. Qu'en pensez-vous? Déjà, je serais curieux de voir qui va regarder jusque-là. Tiens, ça remonte. Alors, histoire de rigoler un petit coup comme ça, ceux qui vont écouter jusque-là, mettez un petit message en dessous de la vidéo. Thank you.
Wow, ça fait le yo-yo, mais dans le fond de la boîte, hein. C'est là, c'est pas ça. Hein. C'est tout QRP, là, de mon côté. Ouais, c'est tout QRP, là, de mon côté. C'est dans le fond de la boîte. Vous êtes tous descendus à la cave, là, du côté du Québec. J'ai pas compris. Là, 15h45, vous voyez comment c'est. Et bien voilà. Et voilà, ça remonte. Ça fait yo-yo en bas de la boîte. Tac, vous avez vu le DSP, il a fait son effet là. Ça a dégueulé un petit peu au niveau QRM, puis paf. Et sur le George 2, le ressenti est le même. Avec le NRC, oui, je me trompe pas de nom. Oui, c'est ça. Ah, j'entends aussi de mon côté, mais en très QRP. Bien oui, Jean-Luc, il est là. Bien oui, je ne sais pas qui c'est qui donne.
Ah, ça fait le yo-yo. Tout à l'heure, ça passait plein pot, son trigo neuf. Et là, là, c'est ça fait le yo-yo vers le bas. Et voilà, comme je disais tout à l'heure. Pas sûr d'aller bien loin encore avec la batterie de la caméra. Bon, bah, c'est pas gagné. Ça remonte du côté Québec. Mais après. On dirait qu'il y a un couloir là de. Qu'il n'y a que ce couloir. Attention les talents. Break les tanins pour Rémi. Ok, je crois que c'est à moi que j'ai eu du mal à te sortir un peu. Pourtant, je t'ai entendu. Ok, je vais passer en QRT là de mon côté. J'ai l'XYL va bientôt arriver au QRA, donc j'ai bientôt attaqué un autre QSO beaucoup plus local, HI3 coups.
et j'ai presque plus de batterie sur la caméra. Donc je passais en QRT, les 20, 73, 51, à tous les tannants, à tous les Bravo Charlie, de 14, Bravo Charlie, 33, 01, Rémi, le Sud-Ouest France, et bonne continuité de QSO de votre côté. Merci pour ce long QSO, bye bye, et peut-être à demain après-midi. Matin, enfin... Bon, il a compris. Alors, c'est pas gagné. Ah si. Merci à tous, bye bye. Les 73-51 de la planète Sibi francophone.